Los Angeles. Allez, ok, papa, on y va aussi. Oh, papi, comme moi aussi. Ok. Comme moi aussi. Comme moi aussi. Sors. Chérie, t'as. Voilà, puis chérie, n'a pas le bar à sa mon avocat. Pas la bataille, bon, et l'eau, quoi, yo. Roger. Didier Vanco de Los Angeles. Allez, ok, papa, on y va aussi. Oh, papi, comme moi aussi. Ok. Comme moi aussi. Comme moi aussi. Sors. Chérie, t'as pas le bar à sa mon. Kozala ya nani Peka News Papi Kamwasi Télévision 4x4 tout terrain. Restez confortablement assise ou debout comme vous voulez. Bienvenue à bord avec lui-même le conseiller indépendant autoproclamé du chef de l'État Kamwasi Tshilo Caribe. Le loto ko solo la. Nenge toza ko solo la. Iza makamu ya ditunga. Iza makamu ya mboka. Iza li mission. Iza li objectif. Iza li souci. Détermination. Information ya li boso. Nako ye bisabino. Iza li information ya mawa. Ancien bourgmestre de la commune de Kalam, selon certaines sources, il semblerait à rejoindre Corneille Nanga. La fausse information, la fausse nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux en disant que Jean-Claude Kadima est, je ne sais même pas où, mais chez Corneille Nanga. C'est faux et archi-faux. Jean-Claude Kadima est bel et bien à Kinshasa, chez lui, dans sa résidence. Je suis chez moi en ce moment ici, sur 5e rue numéro 13, quartier Kimbangu. D'ailleurs, nous n'avons même pas de courant, mais je suis chez moi. Et éprouvé, j'ai perdu ma grande sœur et le deuil se tient chez moi, dans ma résidence. Je viens à peine même de parler avec un de mes frères, Ardan Kabambi, dont je salue de loin, merci. Et j'attends votre visite chez moi, comme vous m'avez rassuré. J'aimerais apaiser le mien, que je suis là, et je ne trahirai jamais mon pays, et surtout pas mon président. Je suis de l'Union Sacrée. Mon parti, c'est ACHDC, Alliance des Chrétiens pour le Développement du Congo, avec le président, avec comme président, le professeur Godin Poï Kadima. Pour Facha Zoya, Azo riposte. Makere na ocha mikolo de yangwana. Chaque jour, Fachi doit agir. Nenge to lelaki, kuna pe, il faut balela. Il faut balela. Diplomatie, to boite. Les voisins moyens, kosola, diplomatie. Et l'autre, c'est pour la que Facha Bundi, quand même, le monde entier va comprendre que vraiment, c'est vraiment, c'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Ba condamné ou pas, au moins, Mindele va comment reconnaître que Rwanda n'a pas agressé Bisso. Donc, dans ce cas, on peut attaquer, comme ils sont au courant, tout ça peut-être sauvé. Alors, Mokonzamboka, Toboite, mais faut moi laisser. Namouno lingi, ben de santé, que ba Rwanda ba koufi, ba la tsafachi, oui. Mais on va donc faire pas la bise au peuple, bah d'abîmer côté, bah ça peine à banan, bah ça peine à basi, bah ça peine à ma parent. Pourquoi qu'on est là, ils ont un sens cynique. Qu'on est là, peut faire une réciprocité à qu'on est là. Côté autour de lui, qu'on a même balé lui, bah bon, on a qu'à mi-balé, peut pas aller là. Il y a un gros, on a l'air de tout dans l'élo, dans l'émission Oyo. Général Peter, c'est lui, moi, ami. Est-ce que vous avez un maloba lobaka? Aza soda ya solo. Ba soda ya belé, vous avez un cam. C'est la politique. Hein? Nous sommes à politique. Mais si vous avez un général, automatiquement, vous avez un soda, mais un politique. Hein? Parce que vous avez un secret d'État. Mais général Peter Chilimwami, est-ce que vous avez un propos?
chaque sortie médiatique, il y a Peter Sidi, moi, mon général, les ordres, qui sasa et bengi, tous à la position, tous à terre raté, tous au battre la mabele, tous aux la ordre. Ordre en mot, non, il faut appeler ça. Ordre en mot, non, appeler ça. N'est-ce pas Peter Sidi, moi, mon général Zoloba, t'as la misu. Bon, t'as la bien la misu. N'est-ce pas l'Olande la yé, t'es capable de recommander la frontière à Rwanda le même jour. Bon, t'as la bien la misu. Mais c'est comme si, Moutoumouka Bendara Singana Simake n'allait pas reculer. Moutoumouka n'a pas l'ingana yé baye. Walaï. Mais Moutoumouka Bendara na nzako bazo benda ye boy n'allez pas ne progressez pas allo bakango déjà nanyango allo bakango n'allez pas n'avancez pas restez juste là reculez nanyuana et pour quelle raison pour quel objectif Mokonzi diplomatie d'accord Bakena ko négocier ko solo la solo la position de force. La position de faiblesse. To ko perdre. Fachi Beton. Petit frère na yo yeyo, kamwa sitilo. Peuple na yo bazo zela. Riposte. E pa na yo. Bazo zela. Bayo ka sang. De l'autre côté peke hey! E quoi? Tout. Boum boum. Eh Bakoufi, banda kwe kwei. Tu sais bien ni. Eh pour nous créer équilibre. Mikolo yo moi audience et ça dit moi boule. Bata pote bazo benga bito samwe awa na ba commentaire ba débat to sala kawa, on n'arrive plus à discuter. Fachi, omboni lelo, lelo kaka. Ba soko ezali je crois. Soko ezali. Ba drone ezali. Je vous informe avec beaucoup de respect que je vous dois, son excellence. Lelo kaka. Ce qui bombe koi atta la gisemi. Lelo kaka. Et si li, continue ma dit. Mbamou mbouna ou. Kote mati. Et nous attendons, c'est la chef. Nous attendons. Le peuple attend cela. Diplomatie, on n'est pas contre. C'est votre droit. Parce que vous avez bien dit que vous avez négocié, vous avez bunda. La bête est bien trop. Vous avez la riposte mécanique. Peuple a osé là. Est-ce qu'il y a aussi? N'est-ce pas parce que vous avez la riposte? Répondez à vous les claviers. N'est-ce pas pour la riposte? Pour attendre la bitoumba, attendre la ring. Ali Foreman. Même à ta gagner, mon gars, qui perd, mais ma confie bête à ma qui. Oh, la bête, oh, pas bête. Tu es qui va occidentaux, tout ça, voilà, si manaye, mais faut pas sentir. Tu veux défendre mboka. Mais apparemment, il faut des secondes qu'on pousse là, à pas de tortilles. De ba territoire récupéré tout récupéré on a passé soit on récupéré de vendre l'objet qu'on a inventé à récupérer souci à peuple de dire qu'il faut avancer donc habitué au salama à wanakati tout comme à tina frontière tout protéger frontière il y a côté à Ouganda il y a côté à Rwanda c'est ça les soucis il y a peuple vous en tant que garant le commandant suprême c'est votre devoir.
France, président de la République, au sala na yo ba émission na poto. Au sala ba émission ba interview. Oyo sali malaro yo ga na pe sio combo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mobutu. Wana obandi kobeta. Discours, comment dirais-je, émission au sali récente avant Ozonga. Yango wana. Wana penza chapeau bas. Bravo Fati, bravo, bravo, bravo. Zwa bisou. Souka na émission. Yango wana. Ola ti mindele ke te tan wana ici eleka. On doit se respecter mutuellement. Beaucoup m'a donné, m'a donné des leçons. On dirait que c'est un petit homme. Ailleurs, bossa makamu susu et pas n'abisso makamu. Fati émission sali et ça danger. Dans ce point extrême, ok, tu partages na batu, batalamo. Suivez. Bitumbe bandinde penda bitumba so. Bitumba. Bitumba. La guerre est commencée, tout le monde est position. Il y a toujours ce regard condescendant vis-à-vis de l'Afrique et des Africains et ce comportement un peu paternaliste qui consiste à croire que eux savent de quoi nous avons besoin mieux que nous. À quoi vous le voyez, exemple? Et donc c'est ce sentiment... Que nous avons, mais voilà, par exemple, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'agression dont nous sommes victimes. Nous demandons à ce que la communauté internationale se comporte comme elle le fait dans le cas de, dans le cas de la Russie, pardon, dans le cas du conflit au Moyen-Orient. Elle nous dit non, c'est pas la même chose, on va pas le faire là, alors que nous avons les mêmes victimes de massacres qu'il y en a en Ukraine et ailleurs. Donc, on nous dit que c'est pas la même chose. Eux, donc, savent de quoi nous avons besoin, alors que nous, nous réclamons des sanctions. Donc, et cette guerre, elle nous est imposée pour des raisons évidentes de pillage de nos minerais. Ces minerais, on sait où est-ce qu'ils terminent, donc dans les firmes, dans les firmes des multinationales occidentales pour la plupart. Donc, c'est connu et on ne sanctionne pas. Pour moi, le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats, ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire affaire positive, constructive, et non pas... toujours comme de dominer à dominant. Hein, donc, mais Monsieur le Président, ça, pardon. Si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, Occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique, par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais hein, comment, pardon, Monsieur le Président, comment soutenir ça? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Henri Maggi, 62e nayo, expiré. La loba qui a wati n'a pas qualité à couper sa batte 62 heures ou 72 heures. Yo zanan. Yo mamo boui. 62 heures et sili. Siko sali ni toze la siko. Zwa go manata lao. Yo zonga dans leur territoire d'origine, ils seront sécurisés. Neti ba territoire où ils ont déjà libéré, ils allaient sécuriser. Topé si ultimatum ya 72 heures, na gouverneur militaire, ya Nord Kivu, Peter, Chirimwami. De désarmer le FDLR
de désarmer les Ouazalendo et de déposer des armes. Et que la ville soit rendue. Yuma. Député Moko ya Kivu, Nord Kivu, je crois. Azalaka diaspora. Nakuta na ye na Kivu. Na Goma. Aye na Kinshasa. Boka makamalobi pour na Est. Regardez. Je suis venu demander au bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale d'arrêter leur bagarre inutile, d'arrêter leur théâtre inutile. Il y a d'autres urgences pour la République, notamment la sécurité à l'est de la RDC. Ma province du Kivu, ma ville de Goma, menacée maintenant. Il y a les rebelles qui sont en train de descendre sur ma ville d'origine, sur ma ville électorale. Alors ils doivent arrêter leur théâtre politique et s'occuper des urgences du pays. Le président de la République a promis de s'en occuper, ils doivent l'aider, les institutions doivent l'aider. Alors maintenant où je vous parle, je suis venu interpeller le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat que j'ai attendu depuis le matin, qui ne sont pas là. Je sais qu'ils sont dans d'autres urgences, j'espère, mais moi les urgences sont la paix à l'Est. Et je suis venu demander à ce qu'on autorise aux sénateurs et aux députés du Kivu de sortir et de partir à Goma, poser des questions à tous ces rebelles, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que nous voulons exiger au gouvernement congolais de nous dire finalement quels sont les accords qu'on a toujours signés depuis 2000. Depuis 2000, on signe des accords avec des groupes armés, avec les rebelles, mais la paix n'est jamais revenue. Pourtant, parmi ces rebelles, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2000. Parmi ces rebelles, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2005. Parmi eux, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2008. Mais même, les mêmes rébellions continuent. Depuis les RCD, puis le CNDP, aujourd'hui le M23 et beaucoup de groupes armés, on ne fait que signer des accords, mais la paix n'est jamais revenue. Quel genre d'accord on a signé entre nous et les pays voisins? Quels sont les accords qu'on a signés avec les rébellions? Et la paix n'est jamais revenue. Maintenant, nous sommes fatigués. Au nom de la population du Kivu, au nom de ma ville de Goma, je suis venu demander qu'on nous rende compte et qu'on nous le dise immédiatement. Nous sommes fatigués. Qui sont les complices? Si nous sommes infiltrés, qui sont les infiltrés? Est-ce que nous manquons des services pour identifier les infiltrés au sommet de l'État, dans l'armée, dans la police, dans les renseignements, dans l'administration? Est-ce que nous sommes aussi indignes que ça? J'ai dit pour la dernière fois, la population du Kivu, et celle de Goma en particulier, exige à ce que les députés descendent à Goma pour aller parler avec ces rebelles-là. Si le gouvernement va nous aider, que le gouvernement nous aide. Mais nous allons le faire comme révolutionnaires. Nous sommes fatigués. Et ça ne sert plus à rien de représenter des populations toujours massacrées, sans réponse du gouvernement et sans lumière par rapport aux accords que les pays signent avec les pays étrangers. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Côté ensemble, Pedro Simbaté, hein? Ensemble, dans la Kinango, ce qui est regroupement et regroupement parti politique, aujourd'hui, on va forcer. La ma promesse va soit que Katumbi a la présidente de la République va forcer. Mais résultat, il vous met le coup tout ensemble et Baniko Panzana. Bolanda Cindy le cœur. Makamba Lobby et à soutenir Jacques Ndala. Regarde. Bonsoir. Avec beaucoup de colère, je suis venu m'adresser directement. Moi, je peux aller par quatre chemins. À notre coordonnateur provincial, M. Papin Kyou. Monsieur Papin. Si vraiment vous pensez que tout le monde a peur de vous, vous vous trompez énormément. On vous respecte tout simplement. Et on vous a laissé le temps, on est resté calme et on s'est dit, bon, Azar Montoué, il va comprendre qu'il a échoué, qu'il va déposer, mais je sens que tu continues à enfoncer le clou. Écoute, tu fais peur à personne. Ensemble pour la République, c'est notre parti politique. C'est notre bijou. Ok? Tu n'aimes pas ensemble pour les gars batounios. Il y en a battu balinga ensemble et n'en a solo. Tu as lésé beaucoup de gens. Aujourd'hui, je ne donnerai jamais raison à Jacques Ndala. À 100%, mais au moins à 20%, il a raison. Parce qu'il me met en colère lorsqu'il s'attaque à notre président national et à notre notable Christian Moano. Mais sur certains cas, il a raison. Okosu qui s'abattu monté Mati Wapi. C'est quoi la mission? C'est quoi les buts? Pour la première fois dans ma vie, na mona ki tu as aligné des candidats. Ba yebi ko tunenge bureau ensemble les ala raté. Ba ya Congo ya de cela peut-être 20 ans. Ba za na États-Unis aligné par M. Papin Kyungu. Mais ba combattant.
Les combattants dans Lubumbashi, ils espéraient être candidats. Qui ont mené un combat noble pour notre parti. Tu sais que tu as blessé combien de gens, mais tu continues à faire ça. Tu continues à blesser. Et normalement, tu devrais te gêner. Normalement, il fallait démissionner. Parce que toi-même, tu sais que tu es échoué sur toute la ligne. Mais je ne sais pas, assurant soit nos Zongowapi. Je ne sais pas pourquoi tu t'entêtes à rester là. Écoute. Là, moi, je te l'ai dit. Linda, c'est Naël Loroté. Mais de gré ou de force, tu vas démissionner. Ponani ni bozako lukaliwaya Gilles Alinguette. Kei. IGF. Lobby na keneke quelque part. Na kolobate. Et je vous confirme que chef de l'État a ça pour soutenir Gilles Alinguette. Ils ont pas la sentimenté. C'est par rapport à Moussala Dali Kosala, mon conseiller a pas confiance. Mutuelo lenge wana bino bozola la bapongite. Bolingbo bomaye kaka kufaka ka Gilles Alinguette kufaka kaka. Bozoyete mutelo na eska bakunda yango boyebite. Dieu le protège. Parce que Nzambe alingi ba détourner te. Nzambe alingi kao ya Congo te. Toza ko ba Rwanda Kagame mais awa peut na ba Kagame ba détourner. Kagame aza kuna pona ko boma batu na ko yo ba minere. Mais ana batu ba ba espèce. Ba liquide. Ko gonfler ba facture. Yo président de la République a pris yo poste, fonction au comme esclave ya peuple. Yo li ko s'en servir, ko s'enrichir. Alors garde fou c'est l'IGF. Où est le mal? Bolingi IGF à la tête, le gardien. Comme ça, passoire. Batino se va comme on a accès na mbongo ya l'État. Après bilan wana négatif, balat sango fati. Non, alinge ti soit là. Kenge la bango. Mbongo ya mboka basaka na ngote. Gilles Alinguette, Kei, IGF, Soukisa bango. Kanga bango. Na ville Vorde. Ata aussi mikisi. Et ratakate. Et pa ya munganga na biso to na biso soni. Na komo ya Régine Kapinga. Kapinga Régine. Merci. Na Roger Chilenge. Kado na ngai na zui yango. Na boyi ko la kisango na télévision. Ba oyo laka opesa bango te. Ba oyo yina yo pamba. Mwana ya centre-ville. Mwana ya Italie. Merci. Na zui pena Italia. Original. Ya kuna. Merci. Santo Thomas. Buka mona buka kwikila. Kavungu. Chauffeur ya monene ba kopi komo ya deja. Asala ka convoitirage. Allemagne, France, Belgique. Oko sape visa ya Portugal, Espagne. Aye ko jao na Espagne a koti siyo ti Allemagne. Azio na Espagne a koti siyo na France. Azio na Espagne a koti siyo na Belgique. Grand chauffeur. La prime ok, tout n'a pas la paix sur ça. Voilà! On a bien eu un ben information, et ça va continuer. Maman, tu oses la riposte, il y a Fatih Béton. Je crois que c'est pour très bientôt. Bye bye. Police.
Balingaka kolona lelo kolona espace yango ba amoure ba amateur ya bilanga o balingi kolona tala espace est-ce que na mboka oyo tozana droit kokufa nzala mabele yango yo oto onyo sozana posa kozwa ko bandana 1 hectare 2 hectares 3 hectares 4 hectares 5 ou 15 hectares 20 hectares pour na kolona ko sala ferme tozana posenga na bambaya. Visibilité à espace, il y a bas terrain, il y a mapango, il y a ngoyo. Awa, bah première position, juste la première position, ils ont déjà occupé. La bande d'écho, le beau monde, on est la construction, ils allaient. La première position, ils ont occupé déjà. Donc, awa, ce que tu as, la deuxième position. Tous au côté, ce qu'on a au Lac-Sabino, la deuxième position. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ngape na bandi déjà désormais mabele ya kamwasi yango. Non, exacte que nzele dali enclavé. Impraticable, non. Le monde est dans la voiture est mouké. Donc, tu es pour entrer à Bilanga Yango, donc entrer à y a espace Yango. Donc, tu es dans la moto qui est mouké. Si on est dans la jeep, on a eu le mot bimba Yango Saranate. Passez à autre chose. Rendez votre logette automatique. Plus besoin de prendre des risques. Dans ce cas, Scafné vous présente ses logettes intelligentes. Elle garantit la protection de vos appareils contre les mauvaises qualités du courant. Soyez en sécurité. Plus besoin d'aller faire des ponts des phases dans vos logettes. Car, elle s'exécute automatiquement. Grâce à la logette intelligente. Une fois que vous placez ce dispositif, dénommé pompe-bol, votre logette sera automatisée et vous n'aurez plus à prendre le danger d'aller faire des manœuvres dans votre logette électrique. Notre adresse, Limité 10e rue quartier résidentiel, à 100 mètres de l'UDPS. Scafné, toujours à votre service.